Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous le savez, aujourd'hui on va parler de renforcement, on va parler d'entraînement et surtout on va parler d'un entraînement qui peut vous permettre de devenir beaucoup plus fort, de pouvoir faire de la distance sans problème avec un sac à dos. Donc tout à l'heure je vais vous montrer ce qu'on va emmener, mais d'abord l'entraînement ça commence par l'alimentation. Alors moi je me fais mon petit déjeuner habituel, donc je vous montre à peu près ce que c'est. Quelques tranches de pain que je vais tremper dans de l'huile d'olive. Un quartier de fromage, deux yaourts aux fruits 0%, une banane et un thé vert au citron pour les antioxydants. Ça vous permet que ça tienne au corps toute la matinée. On se fait un petit plaisir, on rajoute un morceau de gâteau dedans. Ça rapporte le sucre rapide dont j'aurais besoin pour le début de la marche. Donc on prend le petit déjeuner bien complet et ensuite je vous montre comment je vais me préparer pour cette ascension. Bon les copains, pour aujourd'hui l'exercice il est très simple. Nous allons faire 10-10. En gros, c'est faire 10 heures de marche avec un sac de 10 kg. Alors, ça peut paraître beaucoup 10 heures, mais en vrai, si tu t'y prends correctement, ça passe assez vite. En gros, tu marches toute une journée. Pas besoin de crapahuter comme un ouf, tu y vas vraiment à ton rythme. Tu vas au rythme le plus bas pour toi, de façon à ce que tu tiennes les 10 heures. Et avec un sac de 10 kg. Alors, mon sac à moi, c'est celui-là, avec à l'intérieur de quoi filmer, donc drone, caméra, trépied, lumière, recharge, une trousse de pharmacie, une parka militaire, de quoi manger, donc un repas de midi avec une banane, 4 litres d'eau, une paille de filtration d'eau au cas où, de la ficelle et encore plein de petits trucs comme ma carte, parce que je vais me repérer avec ma carte, une boussole et puis une lampe de poche, plein de trucs comme ça qui peuvent être utiles pour le terrain. Voilà, donc là, vous allez voir que normalement, il y a 10 kilos, donc on va peser ça tout de suite. Donc là, on a une balance. Alors moi, je fais à peu près 75. Je fais 75,5. On va prendre le sac. Hop. Et on est à 85. C'est un bon sac de 10 kg. 10 kg sur le dos pendant 10 heures. C'est l'objectif de la journée. On prend notre sac. Oh, ça rappelle des souvenirs. Allez. Il est assez lourd. Hein. Autant vous dire que 10 kg, on les sent sur le dos. Du coup, ben, on va pouvoir y aller. Hein. Il est 10h38, donc je suis censé finir ma marche à 20h38. Évidemment, si on mange, on chronomètre le repas pour le rajouter à l'ascension. Allez, on est parti pour 10 heures de route avec 10 kg sur le dos. Je peux vous dire que ça a piqué au bout d'un moment. Alors, j'ai quitté mon village. Donc là, je suis en pleine... Alors, regarde comme c'est beau. Donc là, je suis arrivé sur une route et j'en ai pour 3 km pour arriver au prochain village. Et ensuite, je traverse le village et je monte dans la forêt directement. Ça fait 45 minutes que je marche. Et pour l'instant, tranquille. Donc là, on arrive sur un chemin qui mène à la montagne. Il est vraiment très joli. Une vieille maison. Un petit étang. Je sais pas du tout où je vais là. Je suis en direction de la montagne en tout cas. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on fait cet entraînement là? Moi, à l'armée, je fais des marches et quand on fait des marches, on n'est pas à notre rythme, on est au rythme du groupe. Mais à l'armée, du coup, on entre dans une psychologie de suivre toujours le plus faible. C'est pour ça qu'on met toujours les plus faibles devant, de façon à ce que tout le monde puisse avancer ensemble. Et en gros, faire ce genre d'exercice, c'est accessible à tous. Alors, je dis pas le 10h 10 kg, mais en tout cas, tu peux faire 5h 5 kg. Tu vois, tu te mets des barèmes. C'est vrai que moi je suis habitué à marcher beaucoup avec lourd sur le dos, mais voilà, c'est pour dire que mettez-vous votre barème. Donc on fait tout ça pour pouvoir devenir justement petit à petit le plus fort, celui qui suit la ligne.
Donc peu importe ton niveau, si tu n'es pas du tout marcheur, si tu fais vraiment jamais de marche, le fait de faire ces exercices-là, plus vous en ferez, plus vous allez progresser. Tu vas à la montagne avec ta voiture, tu prends 3 kilos et tu fais 3 heures. Tu verras que 3 heures, c'est déjà pas mal. Bon, on va couper le temps qu'on passe à côté du bûcheron qui fait son travail. Bon, les copains, je me suis retrouvé là sur une route et je vais pas tarder à faire un petit point carte pour prendre mes repères et voir où est-ce que je vais aller. Parce qu'évidemment, je pars à l'aventure sans vraiment savoir où je vais. Du coup, je marche en fait vraiment toujours dans la même ligne, dans la ligne des montagnes. Je suis les montagnes en fait. Mais je ne sais pas précisément où je suis à chaque fois. Donc, on va s'arrêter à un endroit, poser ma carte. Alors, ça m'emmerde un petit peu parce qu'il pleut et que je peux pas sortir comme je veux la caméra. Donc, on voulait pas, si je coupe beaucoup de choses. En gros, là, ça grimpe. Ça grimpe dur. Et c'est un sentier qui mène à une route qui traverse toute la forêt, la montagne, et qui nous mène jusqu'à un parking. Et en gros, c'est là-bas où il y a mon terrain, où je donne les stages d'aguerrissement. Et donc, je le connais par cœur. Donc, c'est parti, on fait ce magnifique chemin. Putain, là, ça grimpe. Vous voyez pas sur la caméra? Mais ça grimpe. Ok, copains, je suis au sommet de la montagne, ça y est. Ça fait déjà 1h30 que je marche. Quand tu marches, ça va toujours plus vite. J'ai l'impression. L'impression que le temps passe beaucoup plus vite. Oh, je suis bien content d'être arrivé en haut. Parce que là, ça tirait fort. Mais j'ai une petite douleur derrière le talon. Derrière le talon. Donc ça suppose un petit frottement. Alors j'ai mis une bonne chaussette, hein, des bonnes chaussettes qui tiennent assez bien, mais on n'est jamais à l'abri d'un frottement. Mes chaussures, c'est les Mendel militaires. Elles sont très très bien, elles sont très très bien pour faire du kilomètre. Mais c'est vrai que bon, parfois tu peux avoir un petit frottement quand même, on n'est jamais à l'abri. Plutôt qu'à attendre que ça me fasse vraiment mal, parce que là ça me fait juste un frottement, je sens que ça commence un petit peu à chauffer, plutôt que d'attendre que ça fasse vraiment mal et que je sois handicapé pour le reste du trajet, eh ben, je vais aller me poser. De toute façon, il est quoi? Il est midi 10. On va aller se poser pour manger un coup. Et en même temps, je vais aller mettre du sparadrap. C'est derrière le talon pour éviter les frottements. Et puis on est reparti pour 8 heures de route. Allez, on continue. Arrêter le chrono. Voilà. On est à 1h33 de marche. Donc on va l'arrêter. On l'arrête pour manger. Et comme ça, on reprend précisément les heures qu'on doit marcher. Bon, on va réparer ce pied. Et ensuite, on mange tranquillement.
Donc en gros, dedans il y a mon réchaud militaire. Vous l'ouvrez comme ça. On pose tout simplement au sol. On va venir prendre les petits brûleurs là. Cette direction-là, on va garder ce cap constamment le long du trajet. 5400. Et là, depuis tout à l'heure, c'est que du sentier boueux, quoi. Oh putain. Bon, ça descend un peu. Qui dit descente, dit montée. Eh oui. On va transpirer un petit peu tout à l'heure. Alors là, je suis tout seul. Je suis tout seul. C'est vraiment ça que j'aime. Seul au milieu de tout là, ces arbres, ces montagnes, il n'y a rien de mieux. Et ça grimpe. Voilà, donc là ça va être un peu dans le dur là, parce que je vois devant moi ce qu'il y a. Il y a une belle montagne. Donc ça va piquer un petit peu. Allez. Ça fait bien une demi-heure, trois quarts d'heure que ça grimpe. Ça pique un petit peu. Regarde comme c'est beau. Oh non, mais là, c'est abusé. Abusé là. C'est très joli, mais c'est de la boue constamment. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait déjà, mais en tout cas je suis prêt à en faire beaucoup. Je sens que mon corps il a pas de douleur, il a pas d'affaiblissement, donc oula, patinoire, oh la vache. Donc c'est top, tu vois, l'ampoule soigné et plus de douleur, plus rien. J'arrive dans un autre village. On continue, on traverse tout le village et on va jusqu'à la montagne là-bas. Alors, on essaie de rejoindre là-haut. Bonne nouvelle, je suis arrivé sur le point que je voulais. C'est-à-dire ici, où il y a les deux antennes. Donc ça, c'est cool. Mauvaise nouvelle maintenant. Voilà ma boussole.
En gros, le filament de cuivre qui était autour a lâché. Du coup, le cadran est sorti de son logement. En gros, on ne peut plus faire un azimut. Donc, ça pose un peu de problème. Mais c'est pas grave, puisque ça, c'est toujours une boussole. Ça marche toujours, je te montre. Regarde, peu importe où je vais, il faut que je la tienne droit. Elle indique toujours le nord. Donc ça, c'est cool. Je dois aller plein sud, donc tout ce que j'ai à faire, c'est suivre le sud. Voilà, j'ai traversé tout un village là. Et là, je suis typiquement sur une route que je déteste. Une sorte de piste cyclable bétonnée à côté d'une route où les mecs ils vont à 130. Mais bon, il faut que je monte jusqu'à la montagne là-bas. Je vais rejoindre la montagne qui est ici pour remonter sur le haut de cette montagne et traverser la montagne. Voilà. Donc là, c'est le moment un peu chiant. Bon, il y a un passage là qui passe sous la route. Je me dis que plutôt que de continuer, je vais aller sur le petit sentier de l'autre côté. Je commence à avoir mal aux ischios. L'ischio droite, il me fait très mal. Et je pense qu'il va falloir que je fasse une pause. Ah bah super, il y a un petit camp là. Super, bah écoute, on va se faire une petite pause là. Une petite dizaine de minutes, un quart d'heure. Parce que là, j'en peux plus au niveau de l'ischio droite. Donc j'en profite, je vais bien boire, manger un petit peu. Le sud, il est vraiment là-bas. Donc c'est top. Moitié du chemin quasiment. Il est 15h. Je suis parti à 10h30. Ouais, allez, encore une heure et je suis à la moitié. Encore une heure et je suis à la moitié du chemin. Oh putain. Du chemin, du temps. Parce que c'est le temps qui compte, pas le kilomètre. Là, j'ai vidé ma gourde là. Et je vais la remplir de l'eau de la rivière là. Je vais boire l'eau de la gourde, mais je vais le boire à travers la paille de filtration d'eau. Je la bois pas directement comme ça. On est jamais trop prudent. C'est en attendant, si vraiment je suis à sec, c'est en attendant de trouver un point d'eau potable. Donc ne faites pas ça. Ne prenez pas l'eau directement d'une rivière comme ça et ne la buvez pas directement parce que vous pouvez tomber malade. Il faut minimum, toujours bouillir son eau. Elle sent pas mauvais. Bon, bah ça s'annonce bien. Franchement, pas dégueu du tout. Elle m'a l'air très propre. Mais on n'est jamais trop prudent comme je l'ai dit. Et du coup, je vais boire avec la paille s'il y a vraiment besoin. Donc là, j'ai de nouveau 4 litres. Je le sens. Donc voilà, on est reparti pour notre ascension. Il y a encore un village. On va bientôt arriver à la montagne. Alors là, j'ai trouvé un sentier. En sortant du village, mais on est direct dans le dur. On est sur une pente à 50 degrés presque. C'est plus de la rando, c'est de l'escalade. Oh purée. Alors là, les 10 kilos, je descends. Ouh. Oh la vache. Bientôt, j'ai les mains par terre. Ok, bon bah, en avant. 8 kilomètres comme ça, en grimpant. Wow. Oh, c'est dur. On va y arriver. Yeah.
C'est dur. Ça grimpe encore. Depuis une heure. Depuis une heure, je fais que ça. J'en chie. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on veut. Je suis pas venu ici pour prendre des vacances. Je suis venu ici pour me renforcer. Il y a un banc. Attends, il y a un abri sec là, je crois. Il s'est pas glissé. Oh, oh, cette montée. Ça va faire 5 heures que je marche. C'est que la moitié. Cette montée, elle était vraiment dure. On mange un petit truc, on boit un coup, et on repart. Je te laisse juste redescendre un petit peu la température et le cardio. 5 minutes de pause et on repart. Allez, on est reparti. Là, je suis déjà à 700 mètres d'altitude. Il y a encore 700 mètres à monter. Donc, j'ai fait la moitié du chemin pour aller au sommet. Donc autant vous dire que là, ça pique. Là, nous, on est nouveau sur une pente à 50 degrés quasiment. Allez. Ce qu'il faut se dire, c'est plus ça monte, plus on est vite en haut. Ouais, du positif partout dans tout ce qu'on fait. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris avec moi. J'ai dû regarder 50 fois ma carte avec ma boussole là. Donc j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Ça devient très dur. Ça fait 6 heures que je marche et je continue de grimper. Je me suis mis un petit objectif, un petit point particulier sur la carte parce que c'est un endroit que je veux vraiment aller voir. Enfin, je veux me dire que j'y suis allé à pied depuis chez moi. Donc c'est important pour moi. Là, ça tire dans les épaules, ça tire dans les mollets, ça tire dans les ischios. Mais j'ai toujours le moral. Il me reste 4 heures de marche. C'est par ce sentier qu'il faut que j'aille. Ok, bon ben ça va glisser.
On est bientôt 7 heures de route. Je crois que mes jambes sont en mode automatique. Pas après l'autre. J'avance vers mon objectif. En fait, c'est même pas les 7 heures de marche qui me font mal. C'est surtout les 4 heures de montée là, à 45 degrés, qui sont en train de m'atomiser les jambes là. Et c'est là que ça devient mental. Je vais pouvoir remplir mon camelback. Ah super. Parce que je sens qu'il est au bout là le camelback. Ah super. Voilà, camelback et gourde pleine. Et maintenant, c'est de la gadoue. Super. Allez, on continue. Ça s'arrête jamais. Allez, dernière ligne droite jusqu'au sommet. Côté de la montagne. Enfin. Yeah.
plus lourd. Bon, évidemment, je pense que vous l'aurez compris, je vais pas sortir le drone. Parce que de 1, j'ai les mains complètement gelées, je peux plus les bouger. Et de 2, là, il partirait au Mexique, avec le vent qu'il y a. Oh putain, c'est beau. Bon allez, on redescend parce que, mine de rien, avec le vent là, j'ai chopé la crève. Si c'est pas déjà fait. Allez, on descend. Et on continue nos 10 heures de route. Bon, les amis, j'ai les jambes en feu. La descente là, elle fait tellement mal. Je dois encore prendre un sentier là. Pendant à peu près 40 minutes, je dois descendre jusqu'à une station. Grosse ascension. Et on aura tapé les 10 heures de route avec 10 kilos sur le dos. Donc allez-y crescendo vraiment. Ne tapez pas tout de suite les 10 heures, 10 kilos. En fait, s'il faut 3 heures, 3 kilos, vous pouvez faire 3 heures un peu plus. Hein. 3 heures et 4 kilos ou 5 kilos. Hein. Après, c'est à vous de voir. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Parce que moi, ça a été vraiment une ascension incroyable. Et j'en suis vraiment très heureux. Parce que là, c'est incroyable ce que j'ai fait. Sur ce, les gars, je vous laisse avec les dernières images. Encore merci à vous d'être resté jusqu'au bout, c'est une vidéo qui est assez longue. Mettez-moi un petit message de soutien, ça fera plaisir. Allez, on va faire gaffe parce que dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Ciao tout le monde. On y est arrivé. On est arrivé. Putain. Ça fait 10 heures que je marche. Je suis trop content. Regarde comme c'est beau.